Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Là, nous allons parler d'un dossier qui me fait doucement sourire. Et oui, ça concerne le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, celui qui a participé à l'exploit de ramener pour la première fois une équipe arabo-africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Je parle bien sûr du Maroc. Et oui. Ce défenseur absolument royal a participé à cet exploit. Mais là, nous n'allons pas parler de sport. Eh oui, nous n'allons pas parler de sport parce qu'il lui est arrivé une dinguerie absolument monumentale. Vous le savez, il était marié à une femme, sa dulcinée, sa voie lactée. Et malheureusement, leur mariage a pris fin. La dame a demandé le divorce, mais pas que. Elle n'a pas juste demandé le divorce en mode, bon. Il n'y a rien qui va entre nous, tu fais du grand n'importe quoi, tu réponds pas à mes messages, on ne sait pas quelles sont ses raisons de demander le divorce, peut-être qu'elle a raison, mais elle ne s'est pas arrêtée à juste divorcer. Elle a voulu prendre la moitié de tous ses revenus. Tu te rends compte? Achraf Hakimi, qui lui est payé 1 million d'euros par mois pour jouer au football avec le Paris Saint-Germain, cette dame a demandé la moitié de ses revenus, sans compter ses petits partenariats qu'il a à côté. Elle voulait la moitié de ça aussi, la moitié de son eau, la moitié de son lit, la moitié de ses habits. Quelle dinguerie absolument monumentale. Nous sommes choqués. Nous sommes choqués, mais malheureusement pour elle, la surprise a été grande lorsqu'elle s'est rendue au tribunal. Et qu'elle s'est aperçue que Achraf Hakimi n'a pas un rond. Eh oui, tout son argent est au nom de sa mère. Oh là là, vous vous rendez compte des montagnes russes? Elle a dû arriver au tribunal avec son avocat. Ouais, bon là, je vais lui prendre tout son argent. Vous inquiétez pas, je vais vous donner une bonne prime. Vous allez bien pouvoir mettre du beurre dans tout ce que vous pouvez manger. Parce que moi aussi, ma vie, elle va changer. Sauf que c'était sans compter sur l'appui familial. Matrimonial! Qu'est-ce que je raconte? Mais de la mère de Achraf Hakimi. Vous vous rendez compte comment c'est beau d'avoir une mère comme ça qui est prête à gérer tout ton argent sans même prendre un petit peu pour elle et mettre son fils dans la ruine. Eh oui, quand tu énerves une femme, elle est capable de se transformer en démon. Et là, si tu énerves ta femme, elle va te ruiner, te foutre dans le caniveau, te cracher dessus, faire caca sur toi. Et tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Sauf qu'Achraf Hakimi, il a une maman à côté de lui. Une autre femme qui se bat pour lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame est repartie bredouille. Et là, nous voyons un coup de maître réalisé par Achraf Hakimi. Parce que lorsqu'elle a demandé le divorce et qu'elle lui a dit, je vais prendre la moitié de ton argent, lui, il a dû lui dire, ben vas-y. Tu vois, en mode poker, vas-y, tu vas voir. Sauf que lui, il avait une main de maître, double as. Il lui a fait échec et mat. Eh oui, c'est terminé. Donc là, nous sommes littéralement choqués, surpris et aussi amadoués par l'amour que la mère peut porter à son fils. Mais attention, hein, parce que là, je sais qu'il y en a plein qui vont vouloir faire la même chose, qui vont vouloir dire, bon, moi aussi, je vais tout mettre au nom de ma maman. Comme ça, au cas où, s'il m'arrive quelque chose, voilà, c'est ma maman, elle m'a mis au monde. Mais oh, c'est pas toutes les mamans qui sont capables de faire ça. Moi, quand je vous dis ça, je connais très très bien ce que je dis, hein. Il y a des mamans qui sont capables de bousiller la vie de leurs enfants sans aucun scrupule. Mais oui, c'est ce que je vous dis. Et ouais, faut faire très attention aux femmes que vous avez autour de vous, car elles peuvent vous mettre dans le caniveau, vous jeter des choses périmées à la bouche, vous mangez, vous tombez malade, et c'est terminé! Oh là là! En tout cas, nous sommes, comment dire, ah là là, touchés par cet amour entre une mère et son fils, hein? Nous savons qu'il y a d'autres joueurs qui, malheureusement, n'ont pas cette chance, nous n'allons pas les citer, mais pas que les joueurs, il y a aussi le monde, les citoyens normaux, qui ont des problèmes partout, avec les parents, les femmes. Donc là, il va falloir vous organiser très fortement.